Ça qu'a fait. Je dis à moi Santiago de Querétaro. Yon état et Querétaro c'est état qui tout près estado de México. Et je dis à la moi nan yon mirador. Mirador ça veut dire côté ou ka camper pour capable garder un view tant que view ça qui m'a montré nous là. OK? Et à ce là, moi ensemble avec Volsi Bamourai qui pourquoi pas être dans caméra parce que monsieur va mener nous faire un petit tour dans ville là là. Et puis nous venons dans mirador là, eh, mais il fait froid dans l'air là, hein. Et puis n'a regardé en bas pour nous voir exactement comment ville ça est. Ville ça, c'est une belle ville, selon témoignage Volsi qui gagne plus que 10 ans depuis la vivre là. Et n'a pas pour nous venir la journée pour nous venir faire vidéo là, mais à soir me dit m'a profiter prend partie nocturne pour que moi capable partager avec nous. Alors côté nous est là, c'est une zone résidentielle qui en l'air côté ni là. Et si nous capable font petit garder bien, OK? OK? Mais dès là, on regarder pratiquement pas toute ville là non parce que c'est une ville qui est vraiment large, mais partie qui plus important et n'a regarder là. So, restez connecté, pas oublier ça c'est Leonard Show, n'a montrer l'autre Mexique qui ou pas jamais montrer là, c'est sous deux plateformes ici là on joindre ça. C'est Leonard Show et puis tout Bamourai. Restez connecté, n'a tourner dans quelques secondes. Bon, là nous arrivons dans l'autre mirador, côté n'a gardé un bon parti dans ville Santiago de Querétaro. Et depuis ou tapé Santiago de Querétaro sur Google, premier ça va pas qui monter comme photo, c'est à peu près 1 km de Arcos. Arcos et m'va chercher histoire m'ka expliquer nous comment ont été fait construire dans qui objectif ont été construit, mais qui moi qui vraiment vraiment intéressant. Côté gens qui n'a regardé là, ou mon ka venir leur camper et puis toi regarder, il y a un paquet de belles bagailles dans zone là qui vraiment vraiment intéressant. Et puis pas oublier Leonard Show a découvert un paquet de belles bagailles ensemble avec eux. Et n'a pas découvert un paquet de belles bagailles là nous dans centre Querétaro. Zone ça son zone coloniale.
tant qu'on est dans quelques et par exemple cas qui existait jusqu'à présent au cap haïtien l'arrivée dans centre ville là après ça c'est zone coloniale mais c'est même gens ensemble avec zone ça qui est vraiment intéressant tant qu'au République dominicaine qui ont zone qui relève son en colonial et mais c'est même gens ces côtés ont été commencé construit fondation ville là le dit c'est la premier habitant au premier caillou été construit c'est là qu'on trouve nous actuellement et nous sommes passés dans toute zone ça là OK gens qui nous capable remarquer dans vidéo sont bail qui vraiment intéressant gens qui me promettre nous m'a gagne pour me tourner dans la journée pour capable venir faire une vidéo pour me montrer nos ville ça qui a un peu presque 3 heures de temps dans machine et surtout des fois qu'on a un petit blocus pour capable arriver là mais dans 2 heures et demi il suffit pour capable faire si pas gagne trop blocus pour sortir Mexico City pour venir ici là dans Querétaro Santiago de Querétaro. Bon là nous arrivé dans la zone coloniale là et je pense que c'est là m'a mettre fin dans vidéo là m'a font ti montrer nous dis-moi avec qui zone plus ou moins même si nous pas tellement bien well même si nous pas tellement bien well avec qui zone nous elle assemblée exactement hein en Haïti à qui zone l'assemblée sous zone coloniale c'est un paquet ancien architecture qui au Kimbé n'a regardé à terre exactement gens ça était longtemps qui c'était ensemble avec et bon bah connait comment régler ça aussi rentrer dans catégorie brique bah on exactement on a dit mais bah on a rien dans bail ça voilà merci de ce que tu as regardé partie vidéo ça bien que c'est pas toute ville là qui m'ont montré mais pendant qu'il m'a font virer là ensemble avec et Volsi PDG fondateur Bamourai et puis j'ai monté mon paquet de bagaille là mais m'a pour me tourner la journée pour me faire visiter zone là parce que mon paquet de belles bagaille et
t'as semblé une histoire qui vraiment riche des zones là que d'ambien pour nous exploiter même faire interview ensemble avec Mounio. Par exemple, ça son église méthodiste qui l'a depuis 1942. Ah, on l'église sans rien là. Très important. Quittez un commentaire, dis-moi comme ça qui sont plus remé dans vidéo ça et puis tout partager avec toutes amis. N'apprenons l'autre vidéo. À la prochaine.